techniciens sont chers pour le public. C'est un peu comme dans le service public, c'est les gens qui y travaillent. Bon, mais on va y arriver quand même. Et mon parcours, il est passé par différents endroits. J'ai commencé à apprendre des fumées qui sont toussées. À partir de la loi travail, à peu près, des choses comme ça, commencé à devenir un petit peu compliqué. Et c'est pas directement les personnes forcément qui m'inspirent, mais aussi les situations. Les jolies situations de brume du soir, quand tu t'y attends pas, avec des gens qui courent dans tous les sens. Ça m'inspire des chansons d'amour, moi. La lacrymo, c'est... je sais pas. Ah oui, oui, d'accord. Moi, bon, c'est facile. Du coup, c'est aussi un refrain que vous allez pouvoir facilement chanter. C'est une chanson épistolaire, c'est quand... oui, c'est parce que j'écris beaucoup de lettres. Je fais un peu comme ma belle-mère, elle s'inquiète souvent des crottes de chien qu'il y a dans les rues, dans la rue, tout ça. Et elle écrit souvent plein de lettres. Moi aussi, quand je suis pas content, finalement, j'écris des lettres. Donc, ouais, c'est... Je vais t'écrire un petit mot, mon salaud. Je vais soigner ma missive. Je vais faire peser chaque mot sur tes gencives. Je vais t'écrire un petit mot, mon salaud. Je vais faire couler ton rimmel. Ça va piquer les prunelles comme la lacrymo. La lacrymo, la lacrymo. Vas-y. La lacrymo. Un homme pour personne, t'as levé la main sur un gamin, t'as souillé ton uniforme, t'es plus un homme, t'es plus rien. Si j'attrape le fils de rien, qui de son bureau donne les ordres, celui qui t'a dressé comme un chien, qui t'a pris à mordre, je vais lui écrire un petit mot à ce salaud. Je vais soigner ma missive, je vais apaiser chaque mot sur ses gencives. Je m'en vais lui écrire un petit mot à ce salaud. Je vais faire couler son rimmel. Ça va piquer les prunelles comme la lacrymo. La lacrymo. La lacrymo. Comme dans les concerts de Renaud. La lacrymo. La lacrymo. La lacrymo. T'es plus un homme pour personne. T'as lâché tes chiens sur nos mômes. Bien au chaud, dans ton bureau de qu'un facho. Si j'attrape la bande de connards assis devant leur téléviseur, qui te donne les clés du pouvoir, les électeurs, je m'en vais leur écrire un petit mot à ces salauds. Je vais soigner ma missive, je vais faire peser chaque mot sur leur gencive. Je m'en vais leur écrire un petit mot à ces salauds. Vous avez été à des concerts de Renault, forcément. Moi, je suis allé à un concert de Renault à la Mutualité en 1998. C'était magnifique. Il y en a beaucoup, j'imagine, qui ont déjà vu des concerts de Renault. Non? Non. Pas encore. Plus? C'est ouais. Renault, t'es plus un chanteur pour personne. Pour de la merde, ta dernière, c'est de la bonne. Pour moi, tu renies tes chansons. C'est qu'un vieux con. Et si j'attrape le petit salaud qui voudrait surfer sur le filon pour se faire passer pour Renaud, j'y fais la peau. Je m'en vais lui écrire un petit mot à ce salaud. Je vais soigner ma missive, je vais faire peser chaque mot sur ses gencives. Je m'en vais lui écrire un petit mot à ce salaud. Je vais faire couler son rimmel, ça va piquer les prunelles.